Friends, comment ça va? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dr Mamour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Salut tout le monde. Ça va nickel. Aujourd'hui, nouveau petit défi. Donc c'était le challenge de jouer au fusil à pompe sur Shipment. Ça commence très mal, on va pas se mentir, par rapport à la game que j'ai fait. De quoi? Bah pourquoi? Ah oui, ouais, je sais pas, c'est malchance. Pourquoi quand je rec pas je fais une partie de malade, j'ai une kill cam avec 12 kills à l'intérieur oui. Et là j'arrive, je suis mort 4 fois au début. Pendant mon intro, je suis mort 4 fois. C'est nickel. Comment tu sens cette vidéo, toi? Putain, moi aussi je me fais défoncer. Bah, je pense qu'elle pouvait pas mieux commencer. Alors, faut préciser les gens qu'ils ont changé, ils ont viré Shothouse. Oui. Ils ont viré, ils ont mis Shipman. 24-24, ok, très bien. On s'amuse, mais c'est en fait c'est en 5v5, donc ils t'ont viré 6v6, parce que dans la série fiction ils marquent 5v5, tu vois ce que je veux dire? Ouais ouais, non mais c'est... Et tu comprends pas, ils ont eu un kiff à la Black Ops 4, où c'était 5v5 aussi. 5, mais que pendant un moment, hein. C'est vite repassé en 6v6. Ah ouais? Ouais. J'ai tellement pas joué à Black Ops 4. Parce que moi j'ai joué quand même beaucoup, c'est vite repassé en 6v6 après, hein. Je sais pas pourquoi la 5v5, peut-être qu'ils se sont vus, il y a trop de gens qui ont joué sur cette map, du coup... Mais je sais pas, alors après, je comprends pas trop le principe d'avoir enlevé au final Shothouse, parce que... Je sais pas, c'était quand même la sélection la plus jouée, je pense. Tiré, mais au final, ils vont la remettre dans pas longtemps, hein, je pense. Hein. Ouais, mais moi, je pense... À mon avis, c'était la sélection la plus jouée du jeu actuellement, quoi. Hein. Donc, je comprends pas trop l'objectif de l'avoir enlevé. Non. Surtout pour nous mettre un mode de jeu 24-24 sur Shipment avec moins de joueurs. Ouais, aussi, ouais. Oh pardon, excuse-moi. Oui, mais t'inquiète pas, pas moi. Je suis en train de dégommer une tour. C'est ta vidéo, écoute, tu peux me violer. Putain, j'étais vu apparaître, j'étais mis le tête. Oh putain. Moi, je le prends absolument pas mal. Et oh là là, je les ai défoncés pour la kill cam là. Anthony, le meilleur. Mon dieu. T'as cette vue des courte, mais je la trouvais bien. Regarde. Allez. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai eu le cinquième. Mais pourquoi tu mets pas la kill cam en entière, hein, ces bandes de cons? Mais je pense que. Non, mais je crois que le cinquième, je l'ai eu au moment où la partie s'arrête. Et c'est déjà fini. Mais c'est déjà fini. Mais hey, c'est un défi, je pense, relevé haut la main. J'ai quitté la partie tout seul, nickel. Oui. Alors il me respecte pas, il me tue. Je suis désolé. 1-16, mais bon, après il fallait pas s'attendre à une partie de malade mental sur Shipment. Oh là là, ce joueur trop. Désolé, je te rejoins. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le discours, un petit commentaire, un petit pouce bleu, l'abonnement à nos chaînes respectives. Vous connaissez tout ça, donc moi je vais vous dire à la fois prochaine, je vous laisse le mot de la fin de Dr Mamour. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo, c'était une vidéo bien courte mais efficace. Franchement ça fait plaisir de se retrouver, Anthony, en plus ça fait longtemps qu'on n'a plus rec ensemble. Oui, oui, ça fait longtemps. Ouais. On arrive des vidéos avant les fêtes, et depuis avec perso les études et Anthony le travail, etc. Enfin bref, c'était compliqué de se retrouver et à rec. Donc franchement, ça fait du bien de nouveau d'être avec toi, Anto. Et bah c'est réciproque. Je vous dis à la fois prochaine et voilà, je vous fais de gros bisous. Salut tout le monde. Merci à tous, ciao ciao.